Pardon, tu dis quoi? Vous le faites spécialement pour la fête ou bien si vous avez cette activité que vous faites d'habitude? Avant de venir ici, on le faisait. Et même étant ici, on le fait souvent. Parce qu'on commande, on le fait. Vous faisiez l'activité au moment où tu n'es pas encore admise pour venir au CAFOP? Oui, oui. Maintenant, vous vous présentez aussi? Oui, oui, c'est Route Koulibaly en classe de I1. Très bien. I1, c'est quoi? En classe de I1. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord. J'accompagne les studentes. Ça, nous faisons, on appelle ça comment même, c'est ce genre de truc-là, sur commande. Mais comme pour l'occasion, on nous a demandé d'exposer les choses. Voilà comment on fait. Et souvent, les dames mariées, elles viennent commander des nuits de noces. Par exemple, ça, c'est un baïa comme ça, en caleçon. Et ce type là il coûte combien? Ça c'est 3000. Ça c'est quoi ça? Et ça marche? Et ça marche? Pour ça, ça par exemple, s'il vous plaît. Alors ça par exemple, ça vous a pris combien de temps pour le faire? Bon, je dirais au maxi une journée. Est-ce que c'est une activité que vous avez envie de continuer quand vous avez fini le café? Parce que ça vous rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que vous n'avez pas abandonné aussi pour la formation pour laquelle vous êtes ici? Bon, parce que ça prend assez de temps. Donc, la circonstance, on a aménagé un peu le temps. Dans le temps normal, on ne peut pas continuer si à la formation. Parce que ça prend vraiment assez de temps. C'est une passion pour vous ou bien c'est juste pour arrondir les fins du mois? C'est une passion. C'est une passion. On adore travailler avec les femmes. Parce que ça fait beau. C'est que ça rend la femme plus sensuelle. Donc c'est une passion. Un peu de piment dans le foyer. D'accord. Un message pour des soeurs ou des amis qui pourraient être intéressés? Bon, quel message pour les adresser? Je pourrais annoncer à mes frères et soeurs, surtout à mes soeurs, c'est de s'en procurer. D'accord. Parce que tu ne peux pas être dans un foyer pour ne pas apporter un peu de piment. C'est pas bon. Ça même. Parce que demain, si le monsieur, tu vois, il est sorti d'aller dehors, tu te dis, mais la filet n'est pas venue, pourquoi mon mari la cherche? Mais c'est parce que ce genre de truc-là. Moi, je vous écoute seulement. Il voit ça dehors, ça l'attire. C'est ça. Voilà. Ça rend la femme plus sensuelle. Et tout ce qui est là, c'est quoi? Présentez-vous et puis vous pouvez nous présenter ça. Mademoiselle de Nadej. D'accord. En classe de I1. Et elle? Mademoiselle Yoboué, en classe de I1. Et voilà. Qu'est-ce que vous présentez là? Bon, nous avons des barrettes. D'accord. Avec des tissus. Ok. Et des chapeaux. Ça se porte en. Et combien de temps vous prenez pour faire ça? Faire une barrette? Et c'est une passion pour vous bien? C'est juste pour avoir un peu d'argent? C'est une vraie passion. Parce que quand tu finis, tu vois tes œuvres, vraiment toi-même, tu es fier. Et vraiment, c'est une passion. D'accord. Je vois mes chapeaux. D'accord, demandez aux femmes de venir acheter. On vous écoute. Elle a eu des commandes. Oui, mais allez, passez la commande. Tous ceux qui vont regarder vont savoir où vous êtes. D'accord. Ça embellit la femme. Il y a des moments où tu n'as pas envie de te presser. Et quand tu portes ces chapeaux-là, ça te rend encore plus belle. Tu n'as pas besoin de se déchirer. Tu peux être encore belle. Mais avec ces chapeaux, c'est un peu plus rapide. Tu vois, une beauté sèche naturelle. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Bien sûr, on va demander le seul. Bonjour monsieur, moi je me nomme monsieur Grand Baboudiara, en classe de J1, élève maître en classe de J1. D'accord. Oui, cette fille,
c'est moi qui les ai confectionnés. Ici, ça, c'est une robe destinée aux femmes. Avant, en pays d'un, quelle que soit la cérémonie, lorsque la femme n'a pas ça, elle n'est pas encore venue. Comme toutes les filles d'aujourd'hui ne peuvent pas attacher des pains, donc on essaie de moderniser. C'est motif qu'on appelle, on ne force pas. Dès le Japon, on appelle ça l'émergence. Ça, c'est homme. C'est homme, chez nous, en pays d'un, un vrai homme, un monsieur, un chef du village. Pour faire le renouveau dans votre sapin. Maintenant, comme les jeunes avaient, vous ne pouvez pas porter pour les vieux ou bien les chefs du village, on essaie encore de moderniser tout. Ça, ça avait son chapeau. Et ça, c'est une robe encore, un autre modèle. Ça, c'est ouvert, ça, c'est terminé. C'est une chance. Et c'est au cas où il y a tissé ça, j'ai dû exporter seulement pour faire la broderie. Il y en avait plusieurs, mais il y en a fait. Alors, quand vous prenez. Une des robes, combien de journées vous passez pour tisser une telle robe? Normalement, j'y fais, puisque c'est selon le prix, j'ai tissé 3 robes par jour. Maintenant, c'est le tailleur maintenant qui prend des jours pour confectionner. Quand c'est trop pressé, il ne confectionne pas très bien. Donc, on lui donne tout le temps pour aller faire la presse. Pourquoi ces robes, il y en avait à peu près 10. Donc, ces 10 là, c'est samedi. Chaque samedi, il tissait. 3 par jour, 3 par samedi. Et puis, c'est ça, il y avait 10. Il y avait du temps qui nous était à l'ici, comme il y a la poste. Donc, chaque samedi, il tissait 3 par jour, 3 par jour. Et c'est la semaine passée, il y a essayé de l'expliquer sur le monde. Et ils ont fait la confection. Alors, est-ce que vous avez l'envie de vous installer après avoir fini la formation pour pouvoir le faire? Depuis 2010, après les études, comme ça n'allait pas, c'est ce métier qui m'a fait. Et de 2010 jusqu'à l'année où c'est cette année à marcher, c'est ce métier qui faisait pas le faire. Et c'est ce qu'il faut se prendre. Pendant le congé, on a mes amis pour aller voir les parents et les grands-pères. Moi, c'est ce métier que je vais faire pendant ce congé. Et bien, tu viens et ça va être ça. Alors, vous avez envie de vous installer. Je vous permets de lancer un appel à des gens qui peuvent vous aider à vous installer. Je lance comme ça un appel à toutes les autorités, à toutes ces personnes qui vont me regarder. En m'encourageant, j'ai croisé deux jeunes pour leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sorte de métier. C'est la gestion qui fait tout chaud. Il faut savoir gérer. Aujourd'hui, quand tu es dans un métier, il faut le prendre sérieux. Dès les premiers venus, il y a des procès qui ont déjà pris ses avis. Et pendant les congés, pendant qu'on avait les documents à payer, c'est ce qui est le premier pour venir. Et ça faisait que même quand on a quelque chose à payer à 10 000 francs, je me lève facilement, je vais payer. Et les gens me disent, j'ai l'argent, ils disent, ça fonctionne de ce métier, le métier que j'ai fait. Je n'ai pas négligé mon métier. N'importe où je vais, je fais ce métier. Et j'ai transporté mes bois même demain jusqu'ici, vous voyez, demain jusqu'à Yam sur le et la crise m'a encore installée. Donc, je suis fier d'exercer ce métier. Grâce à ce métier, je suis indépendant. Je n'attends pas forcément de mes parents, surtout de mes grands frères. D'ici, ils vont m'envoyer 10 000 francs, moi, il y a déjà 20 000 francs dans ma poche. Alors là, il est rare de voir un élève mettre à l'air là, 5 000 francs dans ma poche. Mais moi, alors là, je ne dis pas ça, mais je suis rassuré. Je n'ai pas encore le droit d'appeler mes parents, envoyer ma transport. Mais s'ils doivent faire aller-retour 3 fois ici, grâce à ce métier, et c'est beaucoup là, ici, bien. Merci beaucoup. Voilà, donc, il y a quoi mes jeunes frères vraiment exercer des petits métiers, ne pas tout compter sur les parents. Ça va de l'indépendance de notre vie. Voilà. Moi, c'est Bondo Manu Gédéon. D'accord. Le maître de rapport. Là, ici, j'ai fait le portrait de madame la directrice. La directrice du CAFOP. La directrice du CAFOP, supérieure de Yam Sutra. Là, c'est son portrait. Ok. Et là sont les différents tableaux que j'ai présentés. Présente-nous, qu'est-ce que ça, c'est quoi? Là, c'est un pêcheur qui va à la pêche. D'accord. À la soirée. Et là? Là, ici, ce sont des vases. Et là, c'est un. Un pot. Mais qu'est-ce que vous voulez traduire par cette image? Ici. Là, ça représente le chef du village. Et ça, ce sont les villageois. D'accord. Là, ils ont soif. Le chef du village leur donne de l'eau. Ah, d'accord. Alors, et là? Juste à côté? Là où je vois... On va y arriver. Là, c'est quoi? Là, ça représente une personne. Une personne à deux faces. La première face, la personne est angoissée. Là, c'est une femme. Elle est angoissée et là, elle représente la partie en couleur représente la partie de joie, de gaieté, quelque
que soit la douleur de la femme, elle reste toujours souriante, affectueuse. D'accord. Et là en bas? Là, ça représente des personnes, des différentes personnes. Ici, on peut dire, là, sur les élèves maîtres. J'ai fait un tableau pour vous montrer la réalité que nous subissons ici. C'est quoi la réalité? Bon, les difficultés que nous rencontrons parfois. Ici, c'est une personne qui pense comment sortir du confort. Parce que à peine nous avons de quoi acheter quelque chose. D'accord. Ok, on va terminer par le tableau de haut. Ah. Et là, c'est qui? Là, c'est Madame la ministre de l'Éducation nationale. Là, j'ai fait son portrait. Et pourquoi vous avez décidé de faire son portrait? J'ai décidé de faire son portrait. Je lui fais honneur. D'accord. Alors, en gros, elle, d'accord, oui. Grâce à elle, nous arrivons à satisfaire le besoin des enfants. Grâce à elle, elle a apporté le soutien au niveau de l'éducation nationale. En guise de reconnaissance, nous faisons son famille. D'accord. Alors, ok. En général, quels sont les messages forts que vous passez dans vos tableaux? Quels sont les messages forts que vous passez dans vos tableaux? À part les portraits. Oui, je veux dire, peut-être que il y a quelque chose qui t'inspire et puis tu peins les tableaux. Peut-être c'est le quotidien, peut-être c'est les problèmes, peut-être c'est les femmes, peut-être c'est les enfants. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu aimes travailler? Moi, c'est ma maman à chaque fois. C'est elle qui est toute voilà. Lorsque j'étais encore tout petit, c'est elle qui me soutenait lorsque je dessinais. C'est ça. Et lorsque je dessine, je pense toujours à ma maman. Elle est encore vivante. Je pense toujours à elle. C'est grâce à elle, je continue à dessiner. Quels sont vos vœux aujourd'hui avec ces tableaux? Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Après le CAFOP, tu comptes exposer, tu comptes vendre, tu comptes ne plus faire, ou bien c'est quoi tes vœux aujourd'hui par rapport au tableau? Si tu continues de peindre. Oui, je veux continuer de peindre. Même étant maître. Même étant maître. Et puis apporter mon savoir aussi aux enfants de demain. C'est grâce à eux. À travers moi, j'aurai des enfants, des grands peintres comme moi aussi. Véhiculer le savoir aux enfants ou à l'école. C'est là-bas qu'on peut véhiculer ce message. On peut véhiculer cet apprentissage. Alors, si la ministre se trouve devant vous tout de suite, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Si la ministre se trouve devant vous, par rapport à vos tableaux, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous? Je n'ai pas lui demander de l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour que vous puissiez continuer de faire les œuvres, continuer de promouvoir l'art? Parce que ça n'a rien à voir avec votre formation. Étant à l'école primaire, demander à madame la ministre d'augmenter le taux horaire d'AEC. Le coût d'AEC. Si les coûts sont très restreints, on peut avoir des coûts de 30 minutes. AEC, c'est quoi? AEC. AEC, c'est quoi? AEC, c'est une matière. Activité. Voilà, c'est ça. Ok, le cible. Oui, bien sûr. Okay. AEC. A, c'est l'activité. E, les œuvres et de créativité. D'accord. Donc, reprends ce que tu veux dire par rapport à l'AEC. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Par rapport à l'AEC, elle doit augmenter le taux horaire, augmenter les heures pour mieux permettre à l'enseignant de bien dispenser son cours d'AEC aux enfants. Parce que... Et puis ça va vous. Et bien, c'est du bon. Vous la vous êtes.
Vous vous plaindre, s'il vous plaît. Je suis Marc José Conan, délégué H2 de la 40e promotion. Je suis le confectionneur, s'il vous plaît. Le confectionneur de ces boucles d'oreilles originales et authentiques. Voilà. Quel est le temps que vous avez pour faire ça alors que vous devez aller à l'école? Bon, ça ne prend pas vraiment assez de temps. Mm-hmm. Voilà, si c'est trop 5 à 10 minutes. Et vous avez fait une formation pour ça? Il faut dire que non. Je n'ai pas fait de formation. Mais comment vous arrivez à faire? Bon, D'où vous vient l'inspiration? J'ai vu quelqu'un le faire une fois. Et puis j'ai essayé de reproduire. Et puis c'est ça. Et ça marche? Est-ce que ça se vend? Oui, c'est actuellement comme ça. Nous vendons la paix à 500 francs. Mm-hmm. Voilà. Et ça marche? Ça marche. Il y a un qui ont commandé, qui ont passé la commande, on va pouvoir essayer de faire des motifs. Mm-hmm. On va pouvoir les promotions en même temps. Est-ce que c'est une activité que vous avez envie de continuer au moment où vous allez enseigner? Bon, ou bien c'est juste un passe-temps? C'est un passe-temps, c'est dans le dire. Mm-hmm. Voilà, parce que je ne peux pas pour vendre. Habituellement, comme c'est la fête, pardon, je me suis dit qu'on pourrait se poser, on va pour juste faire plaisir à tous ceux qui vont venir. Voilà, sinon, dit que on fait une activité, truc, non, d'accord. Voilà, c'est juste un passe-temps. Okay. Voilà. Donc, après le CAFOP, ça aussi, vous mettez fin. Bon, après le CAFOP, à moins que, on ne sait jamais, il dit pas non. Ouais, à moins que quelqu'un ici me dise demain que j'ai vu faire des boucles d'oreilles là-bas, est-ce que je peux en avoir? J'ai fait peut-être ma couture là, du bout de paille aussi, voilà, sur mes oreilles. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, à titre personnel, je le fais. Mais pour mon temps, pour aller faire des boucles d'oreilles, pour aller vendre. Pour faire une activité. Voilà, bon, non. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, sinon, j'ai fait aussi des savons liquides. Voilà, des boucles d'oreilles. Bon, il fait que des trucs. D'accord. Merci. Allez, merci. Allez. Oh, c'est bon, c'est bon.